Right, là, numéro 11, numéro 12, vous trouvez les voilà ce niveau une montée. Là, vous pouvez trouver qui, ou dénominateur, il n'y a pas un simple thème comme X, que tout cas par rapport à ça, X avec ça, des thèmes là ou là. Il y a un complexe dénominateur. Right, là, vous pouvez trouver des thèmes de dénominateur. Quand vous avez une fraction comme ça, c'est là où vous pouvez simplifier la fraction là. Comment nous pouvons simplifier la fraction là? Par long division. Ok, je bien entendu moi là, c'est pas long division. Ok, get comment nous servir long division pour faire ce travail là? Nous avons x plus n qui peut diviser par x plus 2. Avant nous faire une révision de long division, si nous avons une fraction comme ça, 5 log 2, moi envie de faire une mixed number, servir long division. De mixed number, vous faites 5, de long division, vous mettez 5 ici, divisé par 2. Next, 5 capable de diviser par 2? Non. Plus près que ça, c'est 4. 4 divisé par 2 fait 2. 2 fois 2 fait 4. Nous retirons. 5 retire 4 fait n. OK? Et quand vous écrivez ou réponse, comment vous avez besoin d'être? Ou answer qui est là? Ça, answer là, il vient ici. Plus, remainder là, il vient là. Over, the divisor qui est là. Right, là, rappelez-vous quand vous donnez une réponse mixed number. Je veux dire, answer là, divine là. Plus the remainder divisé par the divisor. Là, 2 plus half fait 2 and a half. Ok, rappelez bien, un mixed number, c'est 2 plus half. Par exemple, comme je vous disais, il mange 2 et demi pizza. Je veux dire, il mange 2 pizza plus il mange la moitié pizza. Ok, rappelez bien, ça dit là, je peux ajouter. Pareil, sa fraction là, peut-être simplifier. En bas, les complexes d'une fraction comme ça, une complexe. Expression comme ça, là où vous pouvez servir long division pour te simplifier. Regardez bien long division pour être zut, hein? Crois-moi. Allez suivre. Ça, nous pouvons simplifier ça par long division. Regardez bien. X plus n, ici qui devient x plus n, là, nous pouvons diviser par x plus 2. Allez suivre. X divisé par x fait n, n fois x fait x, plus n fois 2 fait 2. Là, comment je te connais, nous pouvons retirer ça de là, x retire x aller, n retire 2 fait négatif 1. Alors, réponse à qui vient, si nous avons fait des mixed number, n plus, answer n, plus remainder négatif 1, divise par divisor de x plus 2. Ok, là, plus, moins, ce qu'on a besoin de prouver, moins n log x plus 2. C'est-à-dire là, on simplifie ou fraction. Rappelle bien, on décompose, quand on a besoin de ça des fractions, là, qu'est-ce là, comme besoin de. Right, on va mettre n log n, retirer n log x plus 2, et pour retourner sa fraction là ou là. Hein? Si nous fois par x plus 2, fois par x plus 2, c'est pour checker. Si nous bien faire, en bas x plus 2, dénominateur termine pareil. N fois x plus 2 devient x plus 2, avec retirer n, devient x plus n log x plus 2. Et retourne comment sa fraction là ou là. C'est juste même fraction, mais une question des mots. Ok, right? Ça va être x plus n log x plus 2 qui devient comme ça. Et là, il est bien simple pour te simplifier. Ok, regarde bien, même si tu peux différencier en bas là, x plus 2 qui a différencié n, là on a x plus n. Pas pour qu'il y ait un idéal là. Là, tu as les TTM séparés. Regarde ça même, sa fraction là. Comme on simplifie, tu devines n, retirer n, no, x plus 2, devine, c'était bien facile pour t'intégrer. Right, moi, porte à sa intégration là, sa DTM là, devine intégrale de n dx, minus intégrale de n, no, x plus 2 dx. Et n quand intégré devine x, ça se désinconne parce que n c'est n x power 0 quand intégré devine x. Retirer, get ici devine n, rational fraction. Et dérivative de x plus d quand différencié devine n, il désigne là-haut. Alors de pouvoir ln de dénominateur de là, x plus 2. Après, peut-être de modulus plus, si. Ah là, ça c'est ta réponse. Ok, c'est tout? Si. Alors numéro 12 là aussi, pareil. Get on a dx moins n de x plus 4, quand ou dénominateur est compliqué comme ça, dtm plus ndm, et là, on sait que longue division pour simplifier ça. Alors, qu'est-ce que vous faites dans un petit coin ici? On a dx moins n qui est moins pour diviser par x plus 4. Get bien, qui position dx moins n? Numérateur, bien là, dénominateur, bien ici. Right, là, ça c'est notre divisor, ok, ça c'est notre dividend. Ok, dividend, comme on a déjà dit. Ok, allez, nous différencier, nous, sorry, nous diviser dx divisé par x fait 2, 2 fois x fait 2x, et 2 fois positif 4 fait positif 8. Ok, tout parfait? Bien, bon. Next, nous subtract, dx retire dx y aller, négative 1, négative 8 fait négative 9. Là, comment nous mettons nos réponses? Nous answer, plus nous remainder, négative 9, divisé par nous divisor.
x plus 4. Là, nous avons besoin de ça de là. Qui dit pour venir, c'est même sa fraction là que nous cassons deux morceaux. Divine 2 plus moins 20 négative, 9 l'eau, x plus 4 dx. Là, nous portons sa integral sign là avec tous les DTM. Divine 2 dx, nous faisons travailler separately. Intégrale de 9 l'eau, x plus 4 dx. Ok, 2 quand intégrer divine 2x, retirer. Là, ici là, les pouvines, comment nous trouver une rational fraction. X plus 4 sur dérivative n, là où on a 9. Mais 9 là, où est-ce que tu as comment tu as 9 là, tu résiste n, parce que 9 fois n fait 9. Ok, rappelle bien, 9 fois n fait 9. Ok, besoin de mettre n, pas mettre 0 ici, parce que 9 fois 0 fait 0. 9 fois n, mais 9, besoin de n ici, dx. Là, ici, ça va là, bien simple, dx retirer 9. Right. Ici, qui est pour venir que dérivative x plus 4 fait n là-haut, divine ln2, x plus 4 sur modulus plus c. Ok? Next, nous prenons numéro 13. Numéro 13 avec numéro 14 aussi pareil. Vous pouvez trouver que tout dénominateur comment était x moins 2. Alors, c'est une longue division pour simplifier fraction. Alors, nous travaillons. 5x plus n, nous divisons par x moins 2. 5x divisé par x fait 5, 5 fois x fait 5x, 5 fois négatif 2 fait négatif 10. Nous retirons ça là, 5x retire 5x, n retire 10 fait positif 11. De là, oui, il faut une réponse de 25 plus remainder 11 de divisé, de divisé, sorry, moins 2. Alors ici, il y a une intégrale, 5 plus 11 de x moins 2 dx. Pareil. Il y a une intégrale de 5 dx plus ici il y a une intégrale de 11 l'eau x moins 2 dx. Ok, 5 cas intégrée il y a une 5x plus ici ça 11 ans de cette vidéo. Il y a une 11 l'eau n retire x moins 2. Right, ici il y a une 5x plus 11. Et ici qui va arriver, vous trouvez dérivative dénominateur là-haut, oui. Quand il y a une chute en bas, il y a une n, il y a n des en là-haut. Il y a une ln2 x moins 2 sur modulus plus c. Ok, numéro 14, même style, même style, mettre là. Nous pouvons faire une longue division, x square moins 4x plus n, right, divisé par x moins 2. Ok, x square divisé par x fait à x, x fois x fait à x square, et x fois moins 2 fait à moins dx. Ok, nous retirons ça dtm ici là, ça lui cancel devine 0. Négatif 4x retire une plus dx fait à négatif 2x. Right, t'as pas oublié que t'as tout tm divisé, là ça plus n, là il descend, nous pouvons refaire longue division. Moins dx divisé par x fait à moins 2. Moins 2 fois x fait à moins dx. Et moins 2 fois moins 2 fait à positif 4. Nous retirer ici pour une négative 3. Ok? Quand nous donnons nos réponses, devine answer de x moins 2 plus remainder de moins 3 over divisor de x moins 2. C'est-à-dire, ça quand nous casse de une x, retirer 2, plus moins de une moins, devine moins 3 l'eau x moins 2 dx. Là, vous trouvez un gain 3 tm, ça veut dire n d 3. Nous portons ça intégral là avec tous les 3 tm. Retirer intégrale de 2 dx, retirer intégrale de 3 l'eau x moins 2 dx. Ok, ça quand intégrer divine x square l'eau 2, d quand intégrer divine dx, ici, moi tiens 3 là de haut, divine négative 3, ici, reste n l'eau x moins 2 dx. Ce n'est pas ça difficile là, vous trouvez sur une technique là ou à l'bit. Mais beaucoup de définis oubliés de l'examen, ça va vous en être concentré. Et ici, dérivative dénominateur là-haut, divine ln2, x moins 2 d'or, modulus, plus c. Ok? Next, nous pouvons check numéro 15. Pareil, même style. Vous pouvez trouver le dénominateur de DTM. Quand le DTM, simplifié. Mettez x moins 3 ici. Ici, vous écrivez x square moins 6x plus 18. Ok, x square divisé par x fait x, x fois x fait x square. X fois négatif 3 fait négatif 3x. Ok, nous retirer. X square retire x square égale. Négatif 6x plus 3x fait à négatif 3x. Et là, ça vous descend. Plus 18. Négatif 3x divisé par x fait à négatif 3 fois x fait négatif 3x. Et négatif 3 fois négatif 3 fait positif 9. Retirer. 100 mots. 18 retire 9 fait à 9. Allez, quand nous pouvons écrire nos réponses, comment nous pouvons faire intégrale de answer de x moins 3 plus remainder de 9 over divisor de x moins 3. Right, dx. Ok, nous intégrer tm par tm, x dx, moins 3 dx, plus, ici ça 9 là, de toute façon, nous allons dire, nous finissons les direct. 9 intégrale de x moins 3 dx. Ok, mon second step là, ça va être intégrale de 9, l'eau x moins 3, 9 là, vous allez dire au même ça. Ok, alors ici quand intégrer divine x square l'eau 2, ici divine moins 3x, ici divine plus 9, là, vous trouvez dérivative des dénominateurs là-haut,
et vous venez LND x moins 3 plus C. Ok, next, numéro 16. Numéro 16, un petit tricky. Alright, numéro 16, check les bien. Allez. Je tenais que suivre comment vous répondez à cette question. Allez, oubliez ça, X. Ln x côté différentiel qui est divine. Je te rappelle, ln x côté différentiel, ce dérivatif, ln x, divine, x a copié pareil, ce dérivatif n, divine n lo x. Et get n lo x à côté de. Ok, là-dedans, qu'il te faut bien faire, prends ça, x à voir là-haut. X power de n, quand tu vois là-haut, il vient x power negative 1, en bas, il y a ln x, dx. Là-haut, get bien ln x, x power negative 1, c'est 1 over x, de tout d'accord, dx. À ce que vous trouvez que là, ln x est différent, c'est 1 over x, et que tu disais là-haut, c'est sa fonction de dénominateur, sa fonction, sa fonction de dénominateur, ce dérivatif, il disait là-haut, alors il pouvait être ln 2, dénominateur là, ln x de modulus. À ce right là, ln x de modulus. Mais ln x, à ce que ln x, il dit pas pourquoi pas négatif. Ok, ln x, il dit pas pourquoi pas négatif, ça veut dire nous capable de mettre une bracket comme ça. Ln x plus c, parce que ln x, il dit pas pour une négative value. Et j'ai dit ln of ln x plus c. Ok, c'est tout? Si, à ce moment-là, quand tu vas me dire, c'est ça qu'il faut pas mettre le modulus. Parce que tu es là dans la question de l'infinité de ln x. Quand il donne toi ln x, tu as besoin d'achoum qui est positive. Tu vas pouvoir donner ta négative value. Quand il peut donner toi, il peut donner toi positive même. Mais ici, ln, ln x, c'est tout des temps positif. Vous parlez de sa méthode modulus. Et j'ai après ln là. Right là, c'est x, x. Parce que ln x, rappelle bien, n'importe qui va aller augmenter ln x pour besoin d'un temps positif. Value. Ok, ça c'est ta réponse. Ln of ln x plus c. Next, on prend une dernière question. On a l'ajout de faire le même niveau. Un numéro 17. Allez, suivre ça ici là. Nous vous faites un peu pareil comme question numéro 16. Vous pouvez trouver ça, t'es là, vous envoyez là-haut. Il y a une ta question de ça ici là pour gagner l'entièrement. Ici, il y a une i power négative x plus 3. Ça, i power x, ça m'envoie là-haut, il y a une i power négative x dx. Aste a dénominateur ce dérivatif qui vient. Dénominateur là, quand on différentiate les. I power négative x, c'est une i power négative x fois dérivative power, c'est une négative 1. Veut dire, c'est une négative de i power négative x, c'est 3 cas différentiel, c'est une 0. Veut dire, moi, besoin de trouver ça là au moins. Techniquement, quand n moins. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a n. Toi, tu as envie de trouver moins, ça veut dire, tu as envie de trouver moins n là-haut. Veut dire, n là, c'est que ça, c'est moins n fois moins n. Vous êtes d'accord? Right? Veut dire, tu places mettre n, me crée négative 1 fois négative 1. I power negative x over I power negative x plus 3. Rappelez bien ça, step là bien important. Modifier. Tu peux envie de trouver negative 1 là. Mettre negative 1 là, mais multiplier par un chiffre pour lui retirer tout ça. Elle n'a pas sens dans rien. Et là, ça négative 1 là, tu tiens l'idée. Divine negative 1, intégrale de negative 1 I power negative x over I power negative x plus 3 dx. L'est là. Gete, dérivative là. L'idée est là-haut. Et la negative 1, divine ln 2. En bas là, il y a un négatif x plus 3. Ok, après, right plus c. Aster, ouais, tout correct. Je pense que tout correct. Mais ici aussi, vous ne pouvez pas mettre ça en module ça. Vous connaissez, module ça, ça n'est même marié problème ça. Et la place, vous ne pouvez pas nécessairement mettre ça. Get y power négatif x. Vous connaissez graph y power négatif x. Y power x, c'est comme ça. Y power négatif x, c'est comme ça. Ça, c'est graph y power négatif x. Right là, n'importe qui valeur x ou pour mettre pour i power négative x, so y value est pour une positive même. Je veux dire, ça graphe là, ça va être positive même tous les temps. À ce que tu poses 3, il est pour rester positive même, parce que c'est une positive value, quand tu poses 3, il est pour une positive même. Alors, vous capable, ici dans ce cas-là, vous capable pas mettre ça module là. Négative x plus 3, ou mettre dans une bracket comme ça. Ok, il n'y a pas fait aucune différence. Mais je vais, as a good practice, mettre un module là, si vous. Right là, be safe. Right là, ok, ça veut dire là, je vais donner juste le niveau, je vais penser. Moi, je vais oublier combien de numéros il y a. Il y en a un peu de numéros là, mais maintenant, voilà, bien challenging. Il y a des paresses qui ne sont pas débrouillées pour passer une mauvaise misère là. Mais il y a des qui essayent, qui suivent tout ce qui m'ont expliqué dans la vidéo, qui travaillent pour eux. Je prends ça, même niveau là, pour un challenge, faire des mots, gagner toutes bonnes réponses. Ok, allez, je fais ça pour l'autre semaine, pour moi, pour l'autre samedi. Ok?